Hey, salut tout le monde, je profite de cette vidéo pour introduire mon nouveau partenaire, Petit Diablotin, une page Facebook pour vente de vêtements enfants de 0 à 14 ans. Je mets le lien en description. Eh bien, re, chers amis, rebonjour sur Code HKS avec John pour la suite des aventures de Calquestis. Sur l'épisode précédent, on était en route pour Bogano pour refaire une petite visite de courtoisie après qu'on ait débloqué les nouveaux pouvoirs dans l'épisode chaotique qui a été l'épisode précédent. J'espère vraiment que j'aurai pas de nouveau ce problème dans cet épisode-là. Hop, on est parti, on va faire un peu d'explo. J'ai vraiment hâte de réexplorer cette planète avec les nouveaux pouvoirs que je viens de débloquer. Je pense que le Force Push va me servir à entre autres choses. Je reviens juste par curiosité. Par exemple, pour la porte qui était fermée là-bas, ça je m'en souviens. Il y avait un truc là en dessous que je pouvais pas ouvrir, il me semble. Bestiole. Ah oui, c'était ça. Bah alors. N'aie pas peur. Nous allons t'aider. Ding, 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 ding. Qui c'est cette bestiole? Qu'est-ce que ça dit? Compagnon bowling, obtention. Ouais. Ce Et il sont me sert à moins quoi? sphères et socles que sur ces fonds. Vous avez repéré un À quoi passager ça peut servir? clandestin, hein? Jetez un œil au bord du Mantis pour découvrir où il se cache. Ouais. Oh. Attends, il y a une caisse de Steam là-bas. La bouboule. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Ouais, d'accord, ça va être très chiant, mais on va y arriver. On va y arriver, on va commencer l'épisode là-dessus. Ça va bien se passer. On va y arriver. Un pack de Steam, ça se refuse pas. Là, 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 là. Eh putain. Faut que je le fasse au dernier moment. Vraiment au dernier moment. C'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Je vais trouver le truc. Non, mais j'ai compris, BD. Merci. Y arriver. Merde, trop tard. Putain, mon voisin qui a rien trouvé de mieux à foutre que de percer des trous maintenant, franchement, que ça à faire. Je suis désolé pour le son. Décidément, il y a toujours quelque chose qui va me faire chier dans mes vidéos. Trop tôt. Ouais, trop tôt. Comment tu veux que je me concentre avec un bordel pareil en même temps? Alors. Il revient là. Plein milieu, c'est parfait. Ah putain, un petit peu trop tard, quel dommage. Là, ah putain. Allez, reviens par là, reviens par là. Par là. Tac, 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 tac. Stop. Ah, trop. Faudra que je monte plus haut. Je passe le ralenti, je vais essayer de me mettre complètement à gauche. Ça va peut-être fonctionner. Le truc qui joue avec tes nerfs, tu sais. Oh merde, quel dommage. Peut-être changer de technique, remarque. C'est une bonne idée. Oui, elle y est. Magnifique. Et ben voilà. Pa 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 pa. J'ai jamais été Et aussi un petit heureux de voir coffre. une caisse. Et un petit Steam Merci, gratos, bébé. ce qui monte ma réserve à 5. Magnifique, je vais en avoir besoin. Eh ben voilà!
Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, capsule de Steam obtention, magnifique. Il y a rien d'autre ici? Non? Non. Bon, eh ben on se casse. Eh ben, ça commence bien. Alors. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Donc, ça c'était la première zone que j'avais pas pu explorer. Est-ce que ça m'a débloqué autre chose? Non, non, là, là en bas. Là en bas, il y a un truc que je peux ouvrir. Et là, il y a un endroit où j'ai pas été. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire de mal. J'ai remis la carte quand même. Si je vais là-bas. Le truc que je peux ouvrir, il est où? Ah oui, il est bien, bien plus bas. Ouais. Ok. Eh ben, allez, on va descendre. Oh putain. Ah non, j'ai fait une connerie. Ah oui, j'ai fait une connerie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais la tyrolienne dans la tête, c'est pas grave. On va faire le tour. Tac, 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 tac. Ça, il me l'avait déjà activé, il me semble. Ah oui, il se l'est fait endommager dans une bataille un peu plus loin, je me rappelle. Ouais, par là. Là. Tac, 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 tac. Un petit peu de plateforme à droite, à gauche. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, la tyrolienne qui descend. Il semblait qu'il y avait une tyrolienne qui descendait là-bas. Ça, j'avais déjà été voir. L'atelier abandonné, j'y étais déjà passé. Voilà, c'est juste en dessous. Il faudrait que j'aille. La tyrolienne qui est là. Ouais, il faut que j'aille à l'ascenseur qui est pile en face. Un crapaud ici normalement. Ah, il me semblait aussi. De l'XP. Ah putain. Je l'ai eu. Ah, il m'a eu aussi. Oula, l'esquive. Je l'ai eu. Victoire. Victoire totale. Je dois me faire soigner. Ouais, j'ai pris un petit peu, mais c'est pas grave. Ça sera le Steam gratos que j'ai récupéré il y a 2 secondes. Ça fait de l'XP, les amis, ça fait de l'XP. Alors, l'ascenseur, il est là. Ça passe. Ça passe. C'était juste, mais ça passe. Alors, hop, paf. Voilà, je la vois la passerelle. Oh putain, j'ai réagi 4 fois trop tard quoi. Là. Voilà. Ça va bien se passer. Oh, bonjour. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'ai pas compris pourquoi mon esquive va pas marcher, mais c'est pas grave. Il y en a un autre là-bas. C'est pas grave. Hop là. Une petite caisse à pirater. Magnifique. Super, bébé. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans? Qu'est-ce que c'est, bébé? Nouvelle apparence pour BD1 obtenu. Tiens. Oh ouais, en rose poufiesse. J'adore, je veux. Magnifique. Alors. Donc j'étais pas passé par là.
Cet endroit. Ah oui, je suis pas venu ici. Hein. J'ai trouvé une toute nouvelle zone. Une zone complète. Utiliser la nage rapide, ouais. Non assigné, comment ça non assigné? Bah si c'est assigné, c'est rond. Il est con ce machin. Je vois plein de trucs qui brillent dans l'eau. Malheureusement, je peux pas plonger. Allez, hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Plein de ces petites bestioles là qui semblent me mener quelque part. Hop, hop, hop. Ah, un raccourci sûrement. Ah oui. Ah non, 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 c'est pas. Merci. Oh, joli. Attends, 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 ça c'est important ça. Ah oui, c'est très important ça. Niveau de force maximum augmenté. Magnifique. Alors, BD1. Ancienne mémoire. Mon ami, je me suis rendu. Acquérir l'holocron. Rendu en toute hâte à Coruscant, afin de présenter mes découvertes au conseil. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, carte de droïde. Ah bien. C'est tout ce qu'il y a ici? Ah! Un poste d'amélioration, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, Cal? Cette poignée était à Cordova. Ah! C'est bizarre de dire ça d'un inconnu, mais je trouve ça rassurant. Attends, oui, attends. C'est un lieu spécial. T'as trouvé une poignée de sabre laser et t'es en train de faire de la soudure. La mienne. Tu vas me faire rêver ou? De lui avec nous. Il va me faire rêver? Oh! Oh, c'est sexy! Le double! Le double, mon gars! Oh, magnifique! Sabre laser à double lame. Le sabre laser à double lame est très efficace contre les ennemis nombreux. Utilisez l'attaque de force pour éliminer les groupes importants. Continuez à bloquer après avoir envoyé un tir de blaster pour envoyer d'autres tirs vers vos ennemis. Magnifique! C'est sexy. Non. Trop tard. Trop tôt. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est sexy. C'est magnifique. Le sabre à double lame. Eh ben, je suis bien content, tiens. Je peux, le cas échéant, repasser au sabre unique quand j'en ai envie. Repasser au double. Oh là 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 là, je vais m'éclater avec ça. Magnifique, magnifique les amis. Eh ben, on a débloqué une belle amélioration, ça valait le coup de chercher. Ça valait le coup de revenir sur Bogano, tiens. J'y suis revenu complètement au pif, et franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu du tout. Ah, oh, puis ça change les deux, oh là 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 là, mais c'est beau ça. Si, on va remettre la Jaro Tapal. Ah, c'est magnifique, je suis très content, tiens. Je suis très content d'avoir fait mon curieux et d'être passé là, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Ah, putain, puis ça en jette. Hein. Double sabre vert comme ça, c'est magnifique. Eh ben, écoutez, les amis, on n'aura pas perdu notre temps. Au moins, on sera descendu là pour quelque chose. J'avoue que je suis surpris. Je me rappelais pas qu'on le débloquait ici. Du coup, alors, on va continuer à monter parce qu'on n'a pas exploré là en haut encore. Raccourci déverrouillé, et ben voilà, on a tout gagné. On a tout gagné sur cet épisode, chers amis. On a gagné un sabre à double lame, pardon, qui est magnifique. On va pouvoir bien en abuser. Alors maintenant, j'aimerais bien aller voir là-bas en bas ce qui se passe. Tiens. Ah, je peux descendre plus bas, d'accord. Et ben, écoutez, demi-tour, gauche. La porte. Là. Hop. On va repasser tout en bas. Parce qu'apparemment, il y a un chemin dans l'eau en bas que j'ai pas découvert. Donc on va aller voir ça. Euh,
Alors, où est-ce que ça se trouve? Ah oui, ça se trouve en bas à droite. Très bien. Hop. Alors. Donc c'est par là-bas que j'ai pas été voir, apparemment. Oh putain, oui, d'accord. Ça, j'adore. Il y avait une liane, mais je suis sûr que j'aurais pas pu la voir. Là. Eh ben, pour une fois, je suis passé du premier coup, dis donc. Ça change? D'habitude, je me vaut toujours la gueule au moins une fois. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est sexy. Marie. Paris, magnifique. Paris. Et je t'ai eu. Il est où ton pote? Aïe. Putain, le crapaud il m'en a pas mis une seule. Et c'est cette petite saloperie qui va me faire chier. Voilà! Eh ben, c'était magnifique, chers amis. Je suis très content. Je suis très, très, très content. Du coup, j'ai exploré... Ah non, il n'y a plus qu'un petit morceau là-bas que je peux aller déverrouiller, apparemment. Mais je sais pas si j'ai les aptitudes. On va retourner, du coup, par là-bas. On va remonter. Je suis très content d'être passé sur Bogano. J'ai fait ça complètement au pif. Et ça valait le coup. Rien que pour le double sable, maintenant je vais pouvoir leur envoyer des tirs de blaster dans la gueule en rafale. Ça va déconner zéro. Paf, paf, paf. Allez, on y va. Hop. Hop. Ah, je suis bien content d'être passé, tiens. Ça a été un coup de poker, mais ça valait le coup. Regardez-moi ça, comment c'est sexy, oh là là. Moi j'adore, hein, je suis fan. Je suis vraiment fan. Ouais, il me semblait que j'entendais bouger aussi. Saloperie. Je déteste ces petites merdes. Point de compétence obtenu. Merci. En plus, on s'est fait un point de compétence. Voilà, là j'ai tout esquivé, pour une fois. Moi j'ai vu qu'il y a plein de trucs là-bas, alors par contre, comment on fait pour y aller là-bas? Ah putain, saloperie! T! Putain, il y en a combien? Plateforme ici, il y a une plateforme là. J'ai aucune idée de... C'est toi qui grogne comme ça? Ouais, on dirait. J'ai aucune putain d'idée de comment on fait pour y aller. Ah, peut-être par en dessus, remarque. Non! Oh putain, j'ai pas verrouillé. Esquive, hein, ces saloperies. Alors du coup, j'ai une caisse là que j'avais pas ouvert, que je vais pouvoir prendre. Comme quoi, les amis, le backtrack, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, nouveau matériau pour sabre obtenu. Corindium. Corindum, quelque chose comme ça. Ouais, comme quoi, le backtrack, ça vaut le coup. Ça valait quand même le coup de venir et puis de faire le tour. Je sais que c'est long, que ça prend du temps, peut-être que ça vous ennuie de me voir revenir sur des planètes où j'ai déjà été, mais personnellement, que ce soit au niveau de l'XP et au niveau des compétences, je pense que ça valait le coup de faire l'aller-retour. Et je vous rappelle au passage que Star Wars Fallen Order est un Jedi très métroïdien, c'est-à-dire que
Il est fait en fait pour rejouer les planètes une fois qu'on débloque de nouveaux pouvoirs, tout simplement. Parce que les pouvoirs nous donnent accès à des zones plus vastes et nous permettent de débloquer des nouveaux trucs. Donc ça valait quand même le coup. Par contre, je vais pas toutes les faire, hein, vous inquiétez pas, vous faites pas de soucis, je vais pas refaire toutes les planètes à chaque fois que je débloque une amélioration, sinon on s'en sortira jamais. Mais au moins là, ça valait le coup de débloquer au moins celle-là. Peut-être que avant la fin, quand j'aurai débloqué beaucoup d'améliorations d'un coup, je regarderai pour éventuellement revenir sur d'autres mondes que j'ai déjà visités, histoire de débloquer d'autres choses. Il y a un truc qui m'intrigue là-bas. Il y a une porte qui est ouverte et je peux y aller. Je suis au bon niveau en plus. On va y aller tout de suite. Putain, j'ai cru qu'il allait sauter à côté. Hop, allez, grimpe. Hop, hop, hop. Parce que j'ai pas été là-bas, apparemment. Et j'aimerais bien explorer le dernier morceau qui me reste. Putain, il m'énerve ces plantes, là. Tiens, ben, il y a même des copains là-bas en bas. Alors, c'est peut-être moi qui suis complètement idiot de par ma formation, mais des étais comme ça qui soutiennent une grotte, est-ce que c'est pas un poil dangereux de les couper comme ça à la zone ? Plus mauvais que grise. Oh putain ! Waouh ! Oh ! Tout doux bijou ! Un Ojo Bogdo ! Très bien ! Oh putain, il fait mal ! Oh la vache ! Ouais, là ça va tous jouer au pari. Hein. Oh. Donne-moi un skim. Non, 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 non. Ouais. On va se la jouer au pari à fond. Non. Oh, il m'a kill. Il m'a kill, la vache, putain, cette saloperie, qu'est-ce qui fait mal? Eh bah, quel épisode, chers amis, quel épisode! On backtrack pour se retrouver un petit peu de matos, on tombe sur un crapaud de ses morts encore plus énervé que les précédents. J'ai même pas eu le temps de me remettre un steam, du coup, alors que j'en avais encore 3 ou 4 en réserve, je sais plus. Quel dommage. Ah, c'est dommage. J'essaie de jouer offensif et de l'esquiver au mieux que je peux, mais putain, faut vraiment pas que je me rate, quoi. C'est dès qu'il bouge, il faut soit que je compte, soit que je m'évade, parce que putain, il fait mal, hein. Nom de Dieu. Allez. Du coup, j'ai repris où, là? Oh, putain. Oh, le salaud, il m'a fait reprendre tout au bout. Bah, j'aurais peut-être dû sauvegarder. Voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû sauvegarder un peu plus loin. Du coup... Ouais, non, si c'est bon, il m'a sauvegardé ce que j'ai pris. J'espère qu'il m'a sauvegardé les caisses aussi. Ça serait cool. Il y a de l'eau en dessous. Oh, il y a une caisse dans l'eau, là. Ouais. Ça veut dire que plus tard, je vais pouvoir aller dans l'eau, c'est sûr. Bon, allez, je vais essayer de retourner là-bas et puis de lui niquer sa race au crapaud de ses morts, là. Oh, putain. J'ai fait le con. Allez, 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 allez. Hop, on se dépêche. Putain, quand tu tapes au double sable, ça déconne zéro, quoi. Non, mais c'est dégueulasse, ça! Oh, c'est quoi ce bug? Je suis désolé, là, je proteste. C'est vraiment dégueulasse. J'aurais pas dû m'avoir.
Ok, d'accord. Non, non plus. Un steam. Non. Oh putain. J'ai plus aucune esquive, j'ai plus rien. Si ça y est, ça revient. Voilà, je l'ai eu. Bon. Je dois me faire soigner. Bon timing. Bon allez, on va remonter du coup. Je vais retourner voir le crapaud de ses morts là. Je vais aller lui péter sa bouche. J'ai pas l'intention de me laisser faire comme ça. On va essayer de trouver un poste de sauvegarde en chemin pendant qu'on y est. Hop hop hop. Allez, on y va. L'ascenseur est déjà là. Hop là, j'étais. Peut-être pas par là que je devais aller, mais c'est pas grave. Il faudrait plutôt que je monte. Ouais, c'est là-bas en dessous, ouais, d'accord. Donc c'est là-bas, il faut que j'aille à gauche. On va déjà méditer ici, histoire de sauvegarder un peu. J'ai un point de compétence, on va s'en servir tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait être intéressant? Compétence de survie augmente le niveau de santé maximum, ça peut être intéressant. Ouais, on va prendre ça. On va prendre la santé, comme ça au pire des cas, si je me rate, j'en prendrai un petit peu moins dans la gueule. Voilà. Alors, on va grimper par là. Oh putain. Laisse-moi tranquille, merci. J'ai entendu une bestiole sortir, à tous les coups c'est le crapaud qui repop. Voilà. Putain, le moulinet. Paris. Une, mais ça valait le coup. J'en ai bouffé une, mais ça valait le coup. Bon, allez, à nous deux maintenant. Parce que je vous rappelle, si vous le saviez pas, je le redis, que les points de compétence, enfin, quand on se fait buter, en fait, quand vous avez validé un point de compétence, admettons que vous avez un point de compétence et une demi-jauge, si vous mourrez, votre demi-jauge saute. Votre point de compétence reste, mais votre demi-jauge saute. Et du coup... Ah putain, essayez à recommencer. Ah bordel de merde. Merci cher voisin. Attends un petit peu. C'est bon, t'as fini? Bon. Non, il n'y a pas fini. Ah putain de merde. Donc, quand vous vous faites tuer, en fait, l'ennemi qui vous a tué garde sur lui les points de compétence qu'il vous a volés en vous tuant, en gros. Donc si vous voulez récupérer vos points de compétence, il faut buter l'ennemi qui vous a tué précédemment. Ce que je vais m'empresser de faire, je vais aller lui niquer sa race pour récupérer les points de compétence qu'il m'a volé. Putain, lui il va me faire chier avec sa perceuse. Voilà, là il brille. Aïe 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 aï
mais c'est dégueulasse, je me suis décalé. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh. Eh ben, je vais pas y arriver, hein. Putain, cette session, on aura récupéré pas mal de choses, mais alors putain, il m'en aura mis dans la gueule, hein, cet enculé. Bon, j'ai essayé de jouer trop vite, j'ai essayé d'être un petit peu plus prudent. Mais il fait mal, hein, cet enculé. Hein, de Dieu, même avec le boost de santé, j'ai pas le temps de me remettre d'estime. Oui, oui, c'est bon, t'as percé un trou, t'es content? Bon, alors, donc, on est passé par là. Ah, mais j'y retourne, hein, moi, de toute façon, tant que je l'ai pas visité. Tranquille. Putain. Eh, sans déconner, tu commences à me faire chier avec ta visseuse, toi. Je vais te la foutre dans le cul si tu continues. Allez, hop là. Continue. Putain, j'ai pas de point de sauvegarde plus près, c'est très chiant. Je suis obligé de me retaper le trajet à chaque fois. Non, 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 non. Toi, tu m'as déjà assez fait chier comme ça. Pareil. Putain. Ouais, c'est parce que j'esquive trop tôt. Je m'entraîne hein, en même temps, les amis. La solution ça. Envoie par ici. Pour lui faire un petit peu de dégâts. C'est beaucoup mieux. Bon bah écoute, on va essayer. On va essayer, on va essayer. Peut-être que l'attaque lourde, ça serait la solution quand j'esquive. J'ai pas envie de faire que ça, parce que ça va être hyper rébarbatif et je déteste gagner avec le même coup 20 fois d'affilée. On va tenter. De toute façon, j'y retourne. C'est vrai que moi je suis tellement pas tête de con que je vais y aller jusqu'à ce que je gagne. De sauvegarde ici, tiens, on va le prendre. Ne serait-ce que déjà pour recharger les Steam, et puis au moins si je meurs, je recommencerai d'ici. Je suis désolé hein, pour mon putain de voisin qui a rien trouvé de mieux à foutre aujourd'hui que de faire des trous dans ces putains de murs. Je sais pas ce qu'il est en train de foutre, mais c'est en train de bien me casser les couilles. Il est en train de me pourrir l'enregistrement avec sa putain de, son putain de perfo de merde. Couper les plans, j'ai failli faire une grosse connerie. Allez, j'y retourne. Oh putain, à chaque fois il me l'a fait en ligne, il me fait mal. Oh putain! Non! Donne-moi un steam! Putain! Envoie! Oh, le stress est réel, hein, les amis! Putain! J'ai besoin d'un steam! Putain! Je t'avais dit que je t'aurais, espèce de saloperie. Je suis désolé, les amis, j'ai pas beaucoup parlé pendant ce match, mais alors, bordel de merde! Putain, quel enculé! C'était une vraie saloperie! Bien. Eh ben! D'accord.
On a trouvé le boss du niveau au moins. Nom de Dieu. Quelque chose, BD1. Matériel de Pancho, ouais, mais les Pancho. Non, mais t'es sérieux? Non. Ouais, mais non. Putain, heureusement qu'il y a un écho de force juste là, ça valait le coup quand même. Parce que si c'était pour avoir un Pancho rose, excusez-moi. Mais non. Cadavre de Boglin. Eh ben putain, il m'en aura bien fait chier cet enculé. Hein. Pouh. Quel salaud, j'y ai passé tous mes steams. Le stress était réel. Mais j'ai réussi à le buter. En 3 essais, s'il vous plaît. Alors que je pense que j'ai pas du tout le niveau pour aller le taper. Une petite mention spéciale à un copain qui a passé... allez, 2 heures. Au moins 1 heure. Qui a dû le taper au moins 16 fois pour arriver à se le faire. Allez, bon, maintenant que ça c'est fini, voilà, ça aurait été l'épisode backtrack, les amis. Je suis à 55 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. Ça aurait été l'épisode backtrack de Bogano, mais on a tout gagné. On a gagné un double sabre laser, on s'est fait des points de compétence, on a débloqué des aptitudes, on s'est fait un crapaud de ses morts en furie, et on a fait de l'XP, ce qui est somme toute très intéressant. Et dans le prochain épisode, on va pouvoir partir donc pour Kashyyyk. Pour la suite de l'aventure, mine de rien, ça aurait été un épisode pour du flan, mais je suis très content de l'avoir fait, parce que ça valait le coup. Ça nous a quand même fait débloquer pas mal de choses, et je suis très content de ce backtrack. Voilà, voilà, putain, j'ai la PS4, elle est en PLS, j'ai des putains de lags à chaque fois que je change de zone, c'est monstrueux. Bon, bah les amis, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à plus tard avec le sexy double sabre. Oh, il fait des petits moulinets avec comme ça, j'adore. Je suis amoureux. Oh, ouin, 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 ouin. Allez, bisous les amis, à plus.